Cette pièce est l'univers de Noémie, la cuisine. Ici, contrairement au reste de la maison, le souvenir de Lisa est partout. Cette petite fille est la troisième enfant de la famille. Une enfant née, décédée in utero le 18 décembre dernier. Un bébé très attendu, dont sa mère ne veut surtout rien oublier. Moi, j'ai besoin qu'elle soit dans la maison au même titre que mes deux autres filles. Alors, elle est dans la cuisine et les gens qui viennent dans la cuisine savent qu'il y aura Lisa. Alors, on y vient ou on n'y vient pas. On a besoin de dire qu'on a aimé ces bébés d'abord. De dire que c'est pas une fausse couche, qu'on n'a pas perdu un amas de cellules, on a perdu un bébé pour qui on avait des projets, pour qui on avait une vie rêvée, qui faisait partie déjà de cette famille. Lisa n'est pas qu'un bébé décédé. Lisa, elle est avant tout une superbe échographie un après-midi d'automne. Lisa, elle est mon cadeau pour mes 10 ans de mariage. Mon mari m'a dit oui, ok pour le troisième. Lisa, elle est tout ça. Mais parler d'un bébé mort-né reste compliqué. Un tabou que nos sociétés ont elles-mêmes déjà beaucoup de mal à verbaliser. Quand on perd son mari, on est veuve. Quand on perd son parent, on est orphelin. Et quand on perd son enfant, on n'est rien. Il n'y a pas un mot dans le dictionnaire. Alors on a inventé parange, on a inventé mamange, papange, sœurange. Et on est juste ça. De la considération et une oreille attentive. Pour Noémie, c'est bien de cela dont les proches, parents et frères et sœurs ont besoin aujourd'hui. Partager cette douleur comme tout autre deuil. Quand je parle avec des mamans qui ont perdu leur bébé dans les mêmes circonstances que moi, mais il y a 15 ans, je pense que ça a bien évolué. Je pense qu'il y a encore par contre énormément de choses à faire. Pourquoi on m'a donné Lisa? Pourquoi on me l'a repris? Quel est le sens de ça? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que ça sera par exemple de travailler en maternité, de pouvoir aider à mon tour, de guider peut-être celles qui vivront ce que j'ai vécu? Peut-être pouvoir leur dire oui, ce que tu vis aujourd'hui, c'est atroce, c'est horrible, ça devrait arriver à personne. Mais il va falloir en faire quelque chose. En tout cas, libérer la parole et ainsi aider les autres parents qui vivent la perte d'un nourrisson, c'est le cas de quelques 7000 familles en France chaque année.